Hey, salut tout le monde, c'est Spectrol, comme ça va, on se retrouve bien pour un nouvel épisode de Yoke Watch Wiggle Wobble. Ça y est, j'arrive à bien le prononcer maintenant, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de ce Let's Play. Enfin, je sais pas si on dit ça, on dit un Let's Play dans une série comme ça, mais bon, vous m'avez compris, on se retrouve pour le deuxième épisode, quoi. Beaucoup de choses à vous dire, merci énormément au niveau des retours, merci beaucoup au niveau des pauses bleues, des partages, des commentaires. Vous m'avez beaucoup aiguillé sur certains points que je ne comprenais pas, et merci beaucoup à vous, quoi. Eh oui. Hein, je remercie parce que bah, grâce à vous, je pourrais progresser. Bon, alors, vu que c'est le deuxième jour de récompense de connexion, j'ai récupéré un Jibayan. Ouais, ok, bah je clique dessus, pas de souci. Et donc, en fait, chaque jour, vous gagnez eh bien une nouvelle récompense, à savoir que la troisième, c'est une pièce à 5 étoiles. Et non, ça, c'est pas mal. Non, c'est même pas une pièce à 5 étoiles, parce que la pièce à 5 étoiles, je crois que c'est ici. Bah non, 5 étoiles est ici, et ça c'est une pièce à 1 étoile. Alors je sais pas ce que c'est ça, mais on verra ça bah, pour la prochaine fois quoi. Mais je t'avouerai que, pff, aucune idée. Ok, donc j'ai gagné un Jibayan, mais de quel rang? Ah mais dis pas. D'accord, j'ai gagné un Jibayan. Pourquoi pas. Alors voyons voir Jibayan, où es-tu? Alors Jibayan, Jibayan, je suis rendé, mais... je comprends pas pourquoi il m'en a redonné, hein. J'ai pas compris. Alors... Il faut savoir un truc, c'est que j'ai pris cette team là pour pas trop augmenter de level, parce que je suis vraiment au tout début du jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre Tata Aura, voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? On va prendre, que je cherche bien, bah on va enlever Wako, hein, ça c'est clairement ça. Comme ça on passe à 966 en PV, et 971 en attaque. Il faudrait avoir un yokai un peu plus intéressant que ça. Mais en fait j'ai que ça sous la main, donc bah on va enlever lui justement, et du coup on passe à 1041 en attaque, pas mal du tout. Je prends, pas de soucis. Il y a une coupure, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. On verra bien au montage. Bon, alors qu'est-ce que je disais donc? Oui, vous m'avez donné pas mal de commentaires et il y a des choses qu'il faut que je vous explique. Parce que dans l'épisode 1, j'avais pas expliqué beaucoup de choses parce que je comprenais rien du jeu. Donc, les Y, c'est quoi? C'est les yens, justement, la monnaie eh bien, de la région en question. 5, c'est les esprits, justement. Donc, en fait, dès que vous faites un niveau, vous perdez un en esprit. C'est un peu comme Pokémon Shuffle. C'est, par exemple, bah, la vie, en fait. La vie, c'était des cœurs et sur UK Watch Wiggle Wobble, eh bien, c'est... des esprits, voilà tout. Il y avait d'autres choses que vous m'avez expliqué. Je peux activer la multim quand il dit c'est parti si tu cliques dessus. Et l'attaque en question, et eh bien par exemple Jibayan avec la fureur du chaton, et eh bien vous pouvez la lancer avec l'animation et tout ça. Et d'autres à multim par la suite, donc ça c'est une bonne chose. Merci de me... Je crois que c'est Dr Chips qui m'a expliqué ça. D'autre part, dans les commentaires, vous m'avez donné vos Konami. Je ne sais pas ou les rajouter, mais il y a marqué fonction ami, donc à mon avis ça devrait être là. On va regarder, chercher des amis, liste d'amis. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est là que je peux trouver des amis qui jouent aussi à UK Watch Wiggle Wobble. Tu peux aussi inviter des amis à jouer. Donc je vous rajouterai au fur et à mesure. C'est quoi par contre, moi mon CA c'est Franky, non? Attends, liste d'amis, aucun ami, je sais, je suis seul. Chercher des amis, donc là, ok. Là on met, je sais pas moi, on va mettre ça. Spectra, voilà, c'est tout petit. Je fais parcourir. Est-ce que ça a marché? Introuvable. Ah d'accord, bon bah tant pis. Tant pis, parce que j'avais fait une deuxième partie pour essayer, mais ça ne marche pas, donc à mon avis c'est pas sur le même compte. D'ailleurs vous pouvez faire 3 parties sur le jeu, et ça c'est une très bonne chose, un peu comme UK Watch 3DS, premier du nom et deuxième du nom. Et troisième, je pense aussi il y a 3 parties, donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Comme vous avez pu le voir, j'ai un peu plus de yens à disposition, parce que c'est vrai que j'ai fait un peu le fou en faisant 2 ouvertures de Bingo Kai, et il fallait pas forcément, parce que après c'est un peu compliqué. Bon, alors ça c'est fait. Donc ça, on n'a plus besoin d'en parler. Il y avait un truc que je voulais vous montrer. C'était quoi? Je sais plus. Mais en tout cas, si vous voulez m'ajouter, bah, c'est Franky, normalement. Ou j'étais Spectrolo, mais je crois que c'est plus Franky. Et comme ça, moi, je vous rajouterai. Par contre, je sais qu'on peut avoir que 10 amis sur UK Watch. Wiggle Wobble. Alors, attends, ça doit être courrier. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, j'ai des récompenses de connexion. Ah, bah, je vais tout récupérer. Ah, je prends tout. Merde, c'est pas ça. Attends, je récupère. Voilà, qu'est-ce que je récupère? On ne dit pas? Attends, je récupère ça aussi, attends. On me donne un Jibayan, je prends. Voilà, cadeau reçu. Donc j'ai gagné un Jibayan, saute pour te rencontrer, d'accord?
Ok, bon, j'appuie dessus, ouais. Oh, nice! Parce que quand vous avez des yokai en double, vous augmentez justement les compétences de yokai disponibles. Ça, c'est vachement intéressant. Donc, du coup, mon niveau d'Amulchim est niveau 2 sur 7. Ok, bah ça, c'est cool. Et donc, j'ai gagné quoi après? On me dit pas, mais j'ai gagné plus 3 en esprit. Donc, on m'a donné plus de yens, plus d'esprit, et puis un yokai bah, qu'on avait déjà. Donc, ok. On va partir donc pour le niveau 7. Alors, attendez. On va partir à niveau 7. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Toucher une étoile pour voir comment la décrocher. Ah oui, c'est vrai, ça je voulais pas montrer. Donc pour regarder justement, pour avoir le 100%, il faut regarder chaque étoile disponible. Il y en a, bah, c'est pas pour avoir du score justement. Il y en a, c'est pour augmenter donc le mode ébullition, de par exemple le provoquer deux fois dans un même combat. Et donc ça c'est vachement sympa quoi. Ok, bon, mon setup a encore changé, parce qu'à chaque fois la capture de la fenêtre sur OBS, bah c'est un petit peu de la merde. Bon, on va essayer de voir si la souris marche, parce que la souris buguait quand j'ai voulu faire un petit test. Donc bah, je me suis dit, c'est pas des plus optimales. Donc je vais essayer de me concentrer. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc on m'avait dit, donc plus ils grandissent, plus et bah, ça fait de dégâts. Hein, c'est un petit peu la base. Attends, est-ce que je peux passer comme ça? Oh, je peux! J'aurais pu continuer avec le dernier ici. Bon, là, je joue comme une merde parce que, bah, c'est un petit peu plus complexe, comme j'ai dit, à la souris, que avec, bah, justement, le doigt, quoi, comme si c'était avec un stylet à la shuffle. Mais bon, là, ça devrait être bon pour terminer le niveau. Quoique, là, au final, là, je suis pas sûr que je vais gagner, tu vois ce que je veux dire? Là, on a eu 4 combos d'un seul coup, là, on peut continuer ici. On va bientôt avoir le mode ébullition, donc ça c'est une bonne chose. Ok. Là on peut essayer de faire un petit combo ici. Voilà, le petit dracounet là, on va l'augmenter encore. Voilà, ça c'est bon. Un petit combo ici. On est plutôt pas mal. Donc, est-ce qu'on l'a recruté? Non, on n'a pas encore recruté justement le Shiperyu, je crois qu'il s'appelle comme ça. Par contre, il faudra que je baisse le son parce que ça me pète les oreilles. Là, coup près, Jibayan Fureur du Chaton niveau 2. Alors voyons voir combien de dégâts en bonus on fait. Wow, 993 de dégâts, 38 000 en score, et on a recruté Shiperyu. Yes, ça c'est bien, ça c'est nickel, c'est phénoménal. Et en plus on me donne on me donne un bonus d'esprit. Oh nice, putain c'est bien ça. Ah Shiperyu, on est amis mais t'es que en E, donc bon c'est pas ouf. Donc pour situer un petit peu, entre parenthèses, j'ai à peu près 5 en esprit de base. Mais visiblement, on peut gagner après des esprits supplémentaires pour faire d'autres parties. Mais on peut les gagner qu'une seule fois, c'est ce qu'ils ont dit, hein, une seule fois. Donc on verra peut-être par la suite pour gagner plus de pièces, des bonus divers et variés comme de la nourriture. Donc franchement, c'est sympa. Après, il y a un autre truc que je dois vous montrer, parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses à montrer. Vous m'avez expliqué beaucoup de choses, et merci quoi, merci. Après, il y en a, ils m'ont dit, ouais, t'as plagié, tu fais des vidéos, il y a déjà un youtubeur qui le fait. Plagier, arrêtez. C'est pas une personne qui fait une vidéo dessus, qui a inventé le jeu, d'accord? Donc bon, les gens qui disent plagier, c'est plutôt des rageurs, justement, qui ont pas le jeu. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, toi, t'es un connard, t'as le jeu, moi, je l'ai pas dans mon pays. Je me suis dit, ah ouais, il y en a, ils sont fatigués un petit peu, tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu chaud. Ah, attends, parce qu'on peut faire le combo juste ici pour augmenter avec le Dracounet là, c'est pas mal. Là, on est plutôt pas mal au niveau de du mode ébullition, là, j'ai l'impression. On est plus qu'à la moitié. On peut faire des combos juste ici. C'est pas mal, le Dracounet, on s'en fout. Alors, il faut savoir un truc, des fois, j'appuie sur tous les boutons et ça fait des putains de combos. J'avais essayé vite fait dans ma partie numéro 2. J'avais fait, je crois, 45 000 en score en faisant n'importe quoi. J'appuyais sur les globules, quoi. Et je faisais de la merde et ça faisait 45 000 points. Du coup, je me pose la question, est-ce que c'est pas mieux de bourrer des fois à certains moments quand, par exemple, on est en mode ébullition pour faire le plus de points possible et faire 343 de dégâts, tu vois. Après, on peut utiliser aussi la compétence donc de Pitou qui a la corde sensible. Mais la corde sensible, je me pose la question si ça serait pas pour avoir plus de chances que le compagnon vient dans notre équipe au final. Tu vois ce que je veux dire? On est arrivé à combien? 27 000. Et grand papy, tu viens. Et donc on a de la chance pour recruter les UK aujourd'hui.
Alors j'ai aussi recruté certains yokai que je vous l'avais pas dit parce que c'est aussi une partie découverte let's play. Oh, export moyen, pas mal pour gagner un peu d'XP. Alors il faut savoir un truc, c'est que on est bloqué niveau 10 pour le moment au niveau de nos yokai. Mais on pourra l'augmenter, on pourra l'upgrade par la suite. Je ne sais pas comment, mais on verra. Voilà, tout simplement. Voilà, j'avais ça à vous dire. Alors voilà, grand papéti. Bon, j'ai Tata Aura déjà niveau A, donc on s'en fout un petit peu de grand papéti, mais ça pouvait être pas mal pour ceux qui voulaient justement se soigner dans la partie en question. J'ai trop faim. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour une boule de riz? Oh, l'objet, l'option objet a été ajoutée. D'accord. Tu as mis avec grand papéti, l'option objet a été ajoutée au menu. Ok, vite fait voir les instructions, ouais, vas-y. Comme ça, on grille pas les étapes. Ok, donc objet ici, d'accord. Allons, voyons voir. Tu peux examiner et utiliser tes affaires ici. C'est simple d'utiliser des objets sur des objets en question et toucher utiliser. Ah, on peut en acheter. Putain, ouais, c'est bien ça. En cas d'opposition. Ah non, c'est juste pour voir nos objets. On peut pas avoir la... Eh, mais on n'a pas de boutique. Non, on n'a pas de boutique. Ah, c'est marrant ça. On ne peut pas acheter d'objets. Par exemple, je sais pas, moi, de la nourriture. Je sais pas, une tablette de chocolat, par exemple, pour Jibayan. On ne peut pas. Pour le moment, hein. Après, je ne sais pas si on pourra l'augmenter. Profil, c'est quoi ça? Mais oui, c'est Petit Francky. C'est là que tu peux modifier ton icône et ton titre. Tu gagneras d'autres titres et d'autres icônes en jouant. Voyons voir si tu peux faire une jolie collection. Ah, c'est ça mon code de joueur. Excusez-moi, je ne sais pas aussi, je découvre le jeu. Alors, ajoutez-moi avec AXFGIWO. C'est pas ouf, on est d'accord. Mais en fait, c'est pour devenir ami avec moi. Et en plus, vous pouvez gagner de l'esprit supplémentaire pour faire d'autres parties. Donc c'est idéal d'avoir des amis justement pour gagner des récompenses. Donc voilà, ajoutez-moi en ami si vous le voulez. Je mettrai bah, 10 amis parce qu'on peut avoir un maximum de 10 amis seulement. Mais on m'a dit qu'on pourrait l'augmenter après par la suite jusqu'à 50 ou 100 joueurs, un peu comme c'était le code ami quoi. Donc bah c'est cool, voilà, je suis assez content. On va modifier par contre nos icônes parce que bon, l'icône je préfère Nathan, hein, je vous le dis honnêtement. Nathan il est en mode plus swag, tu vois. Ouais, moi je suis un putain de forceur. Oh là là, yes. Voilà, j'ai Nathan. Ah, c'est beaucoup mieux quand même au niveau de l'icône en question. Alors on peut aussi avoir des icônes Inazuma Eleven d'après ce qu'on m'a dit. Alors je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si on m'a trollé, mais vu que level 5 c'est un peu tout, il y a du Inazuma tout ça, donc à mon avis c'est possible. Alors classement, qu'est-ce que c'est ça? Plus tu as d'amis, meilleurs sont les récompenses. Hein? Alors invite tes amis. Ouais, putain, les scores qu'ils ont eux, c'est chaud. Oh, il y a l'autre là, quand t'es une fille, Nathaniel, mais en mode fille. Ah ouais, après il y a des trucs à mon avis, spoil peut-être UK Watch 3 aussi, parce que là, t'as vu, il y a Nathaniel. Bon, lui on le connaît déjà. C'est quoi ce UK là? C'est un Jibayan chelou. Ça c'est, je sais plus, c'est un peu comme Feu Lion, mais en super rare et tout. Et il est intéressant. Temps restant, 2 jours, comment ça? Attaque de score, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est. Oh putain, c'est énorme! Oh, tu sais ce que c'est? C'est comme Shuffle, c'est les events. C'est les events de la semaine. En gros, bah tu veux choper, tu peux avoir Blizzaria en récompense. Oh mais c'est énorme! Blizzaria, elle est rang A, je crois, au rang S. Donc tu peux aussi acheter des items pour faire quoi? Augmente ton score de 10%. J'en veux pas. Donc pour ajouter du temps, qu'est-ce que c'est ça? Après, d'autres boules de temps apparaissent. Et ça, c'est relier les globules plus facilement. D'accord. Et donc là, vous aurez une chance de gagner x3 en Blizzaria. Voir les récompenses. Est-ce qu'il y aurait que Blizzaria? Alors si t'es premier, tu gagnes Blizzaria, un secret de lime pour augmenter donc les techniques. Et 3 pour le Bingo Kai en pièce 5 étoiles. C'est plutôt pas mal. Bon, après, bon, c'est pas ouf. On va essayer de... Ah ouais, il faut être au moins dans le top 100, quoi. Ah ouais, mais ça a l'air chaud. Mais par contre, tu peux gagner des trucs de ouf. X-Porp sacré, pièce rose pour le Bingo Kai. Amulette de score, peut-être pour faire plus de score, je ne sais pas. Méga X-Porp, et si t'es dans les 5001, 7500, tu gagnes un vieux truc. Mais ça reste un objet. On va essayer. Tiens, on va essayer. Bon, je sais pas, ça va faire combien de temps, hein, mais bon, on va tenter ça. On va tenter ça, on a quand même de bons yokai, je trouve. Bon, après, moi, je vais jouer dans mon coin, etc. Je vais essayer de me faire le plus de scores possible. Et je vous en redirai ça dans les futurs épisodes. Oh, et puis Nian Jibayan, et puis Bandinian, je crois, un truc comme ça. Par contre, la souris, si elle commence à bugger, ça va pas le faire. Hein. Ça va vraiment pas le faire.
Ah par contre ça va. Ouah par contre ils font trop de dégâts. Ouah ils font trop de dégâts on t'a dit. Il faudrait vraiment que je me soigne après avec Tata Aura parce que. Ok donc là on a gagné, c'est bon? Non c'est bizarre. Ok on arrive à 17 000 donc là on a Komasan comment il s'appelle Komasan Kappa Cap et puis Komajiro. Alors aussi j'avais entendu qu'on peut avoir après des events pour avoir après Ashmore. Ah d'accord, on peut prolonger la partie de 5 secondes et tu gagnes 300 Y. Ouais non on va pas le faire parce qu'on n'a pas beaucoup de yens de toute façon. Ah bah c'est pas mal, franchement c'est intéressant. Ils ont fait comme Shuffle quoi. Ah c'est pas mal, c'est pas mal, j'aime beaucoup. En plus on gagne des pièces, est-ce qu'on gagne du... Ouais on gagne du XP, c'est bien ça. Je prends. Bon je... ça doit être vraiment de la merde mais bah, bon c'est pas grave. Donc je suis niveau 8, 7, 6, 5, 6. Ok mais je ne sais pas les niveaux conseillés hein. 3700. C'est bien ça. Ah c'est pas ouf hein. Ah c'est pas ouf hein. Ah c'est zéro. Après tu pourras enregistrer tes amis, voir les scores de tes amis. Ah c'est bien ça, il y a du high score, tout ça, j'aime beaucoup. Ok ok. Eh, c'est marrant parce que l'autre il a un claquille, il a fait 26 901 et moi j'ai fait 26 916 alors que j'ai des yokai de merde. Ah ouais d'accord. Ouais bah il reste 2 jours donc moi je vais farmer. Je vais essayer de faire bah, des épisodes très souvent pour ma part. Déjà les tourner après les monter et puis vous ça sera possible je sais pas 2 par semaine, 1 par semaine. Ah on a un empare, très très bien. Niveau qu'on recommandait 4 seulement, ça va. Je suis assez bien je pense pour la suite. J'ai assez XP hors vidéo donc c'est cool. C'est pas... Oh Noko. Je veux Noko. Oh ça serait génial d'avoir Noko. Oh, je vais essayer de faire un max de combo. On va perdre un peu de temps, c'est pas grave. Mais on va essayer de faire le plus de globules possible. Comme ça, on va faire masse de combo. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est plutôt pas mal là. Mince, j'ai fait de la merde. De toute façon, c'est pas grave. Même si tu fais pas de combo, c'est pas si grave que ça. Là, on va commencer à l'enchaîner. Je vais enchaîner ça comme ça. Voilà, on enchaîne ici. Ça, on peut le mettre ici. Ça, on peut pas le mettre ici. Ouais, bah écoute, on va faire comme ça. Oh pas mal au niveau du score par contre je me prends quand même pas mal de dégâts mais c'est quand même cool. Franchement c'est assez sympa tu vois. Là pour le moment la multi n'est pas déclenchée, le mode évolution n'est pas encore activé. On fait de sacrés bonus quand même là. On est à combien là? Je ne sais pas combien on est. Parce qu'il faut bien quand même. Oh j'ai gagné un petit export au cas où, même si je perds c'est pas grave. Ah, attends, j'en suis où là? Parce que là je fais un petit peu n'importe quoi à certains moments, je t'avouerai. Là j'ai fait un bon truc là. Et là le mode évolution. Le mode ébullition, on va mettre Jibayan après. Moi, je te dis que Jibayan, il va te faire une fureur de chaton, tu vas rien comprendre, tu vois. Là, on va faire le bonus, et au dernier moment, on va activer la mutim de Jibayan. Genre maintenant, genre ici. Là, on est déjà 20 000 en score, hein, t'as vu? On arrive à combien? On arrive à 863 de dégâts. Oh, c'est pas mal. En plus, on a récupéré Nampar. Parfait, yes. Alors, pour ceux qui voulaient savoir un truc, Tata Aura peut vous regène, un peu comme Yo-Kai Watch 1 et Yo-Kai Watch 2. Donc ça, c'est un petit peu les mêmes... Oh, encore un bonus d'esprit. Putain, c'est cool. En fait, ça c'est vraiment pour que tu joues longtemps et tout. Oh, l'XP de ouf. Oh, putain, waouh. Nampar. Ouais, je t'aime pas trop comme Yo-Kai. Mais je te prends pour le 100% du médaillon. D'ailleurs, je ne sais pas si je ferai un 100% médaillon. Je sais... Absolument pas quoi. Utilise Jibayan D, terminer un chemin caché et tout. Oh, on a découvert un chemin. Oh, nice. On dirait bien que tu as débusqué un niveau caché. Tu les trouves lorsque tu réalises certains exploits. Ils sont ardus, alors n'hésite pas à les laisser pour plus tard. Ardu comment? T'es attendu niveau combien, toi? C'est qui? Oh, Komasan. Waouh. Niveau 16. Ah ouais, non mais je... Ah non, mais je suis désolé, j'ai pas le niveau. Ah mais on pourra recruter Komasan. Putain, tu te rends compte, pour avoir l'évolution niveau 35. Oh, ça va être génial. Alors attends. Marque au moins 35 000 points, ouais. Termine le niveau avec Jibayan D, d'accord. Et puis tu peux réaliser un combo au moins de 5 au moins pour avoir une étoile. Ouais, on va pas le faire maintenant, c'est mort. C'est mort, je suis zéro là pour le moment. Ah ouais, d'accord, ok. Il y avait un truc que je voulais vous montrer, je ne sais plus ce que c'était. C'était... Ouais, paramètres, on s'en fout. Tampon de connexion. Bah ça, c'est chaque jour, tu gagnes un truc. Putain, c'est quoi que je voulais vous montrer? C'est... Ah, c'est peut-être dans Info, en fait. Attends, ça doit être ça. Est-ce que c'est dans Info ou pas?
Mais y a rien à l'info. Ah si, c'est bon, c'est affiché. Alors qu'est-ce que c'est, sa promotion spéciale? Moi je vais lire des trucs parce que ça m'intéresse. Merci de jouer à Yuka Watch Wibble Wibble. La campagne de promotion officielle est lancée de mon élément. D'accord, donc là c'est disponible comme Asan, mais jusqu'à on ne sait pas quand. Donc c'est vraiment, bah c'est voilà, c'est le début. Donc du coup on offre des... Ouah, je veux Shogunyan moi. C'est un truc légendaire. Les bruits Shogunyan, le yokai légendaire comparé au yokai. Ah d'accord. Oh ok ok, il nous dit comment avoir... les yokai pour avoir le... Ok, donc il faut avoir 6 galopins au niveau combien? Au niveau 11? Ah, c'est bientôt ça. Ensuite, niveau 19. Ouais, mais il y a combien de niveaux? 31? Insomnel, on connaît. Niveau 70? Ah ouais, ouais, ok. Et après, tu développes justement Shogunyan, donc rang S, je crois. C'est un yokai légendaire qui est dans le médalium. Donc ça, ok. Conseil de jeu, ça, il nous en avait pas un petit peu parlé. Ok. Tu auras régulièrement des choses comme ça pour avoir des events, peut-être des events, tu sais, de Noël, d'Halloween, peut-être, tiens, bientôt Pâques, peut-être ils vont te faire des events de Pâques pour avoir certains yokai. Ah, ça peut être cool, j'espère qu'ils feront ça. À mon avis, ils vont exploiter le jeu parce que maintenant, voilà, Yokai Watch est bien installé. Ah, cap à cap, est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas, je crois pas, ce yokai. Ah, je l'ai, hein, je l'ai capturé comment, lui? Je sais plus comment je l'ai capturé. Oh, c'est bizarre, je peux pas passer au niveau 11 et je l'ai déjà capturé. Ah oui, parce que certains yokai sont déjà dans les anciens niveaux, tout ça. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut là? Marque 19 000 points, c'est une formalité. Obtient un globule au moins de taille 4 au moins. Et termine en 130 secondes max. Ça devrait être bon pour la suite. Oh, franchement, ce jeu... Ouais, wow, j'ai donné un coup au PC. C'est un petit peu la merde. Ah ouais, franchement, ce jeu, ah, il m'intéresse, tu vois ce que je veux dire? Oh, il y a Roupillon. Mais Roupillon, on l'a déjà, mais après, on augmentera peut-être la multime. Alors, attends, on peut faire un putain de combo, genre ici. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. On va essayer d'enchaîner les Gibanian comme ceci. Voilà. On va essayer de jouer très intelligemment. Et pas faire de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, des fois, j'enchaîne des combos un peu n'importe comment. Ça marche, hein, c'est le principal. Mais là, on veut vraiment des combos, des... Tu veux faire du dégât, tu vois ce que je veux dire? Tu veux pas rester au point mort à dire bon bah voilà je fais pas beaucoup de dégâts et puis après tu meurs comme une grosse merde quoi, tu vois. Là on est bien là, regarde, on fait un petit Dracooni genre ici. Et là on est engagé, regarde, on fait ça. Et là on arrive à 4 de combo. Il est presque mort Roupillon, je suis désolé. Oh ouais ouais ouais, ça c'est bien ça pour augmenter hein, la taille des globules. Ça c'est plutôt pas mal, on peut continuer ici. Par contre y a pas cap, il est pas encore mort, mais on va déclencher les modes ébullition, donc espèce de mode furie qui est un petit peu comme si c'était, je sais pas moi, ouais c'est un mode furie, moi je pense que c'est un truc comme ça. Après j'ai pas lu tous les tutos. Ah merde, il faut vraiment te concentrer, là on va essayer de faire voilà les gros comment il s'appelle, Vipet Sec, non c'est pas Vipet Sec, je sais plus comment il s'appelle l'autre. Là on est plutôt pas mal. Je voulais faire un combo, j'ai pas réussi à faire le combo avec l'espèce de serpent bleu là, je sais plus comment il s'appelle. Vipet Sec c'est le rouge. On est à 29 000. Oui, on a eu un deuxième roupillon. Du coup, on va augmenter la multim. Et bon, on n'a pas recruté sur le niveau justement le yokai en question qui est cap à cap. Mais on l'a déjà, donc on s'en fout. Mais on aurait augmenté au moins justement la multim. Et on a gagné un bonus d'esprit. Parfait. Et franchement, on gagne pas mal en XP. Mais par contre, vu que je vais bientôt être au niveau 10, comment ça va se passer ça? Voilà, donc là je passe niveau 2 en amultime. Alors ce yokai, je voulais dire ce Pokémon. Mais non, ce yokai est vachement intéressant parce qu'il évolue je crois au niveau 29-30, un truc comme ça. Et il évolue en Rudis et il est vachement sympa comme yokai. Je crois il est même en rang A. Par contre son talent, il attaque dans 2 tours et après il se lance et il fait vraiment du dégât. Donc là si Galopin, si on arrive à le recruter maintenant, on pourra... augmenter eh bien le espèce de médaillon yokai qu'on avait pu voir justement, c'est la porte qui va s'ouvrir quand on aura tous les yokai pour avoir Shogunyan en rang légendaire quoi. Donc ça c'est vraiment cool, mais là pour le moment faut au moins arriver niveau 70 pour se permettre d'avoir bah, Shogunyan. Et là niveau 70 je sais même pas si on va y arriver, mais pour le moment on a le niveau, tu vois ce que je veux dire, on se prend pas trop de dégâts. Mais après les modes event et tout ça, la Blizzaria, tout ça, j'aimerais bien l'avoir parce que là ça serait une grosse opportunité de vraiment d'avoir des yokai vachement intéressants et de pas trop galérer, tu vois ce que je veux dire, et pas mettre de l'argent dans le jeu, parce que vous pouvez mettre de l'argent dans le jeu hein, c'est un espèce de free to play tu vois, mais le jeu reste gratuit hein, je précise. Les personnes qui me disaient aussi que
qu'ils avaient pas dans leur langue là, ils avaient pas lu OK Watch Wiggle Wobble, ils l'avaient pas en version française. Au pire, vous le téléchargez en émulateur, le jeu est gratuit, hein, vous inquiétez pas, c'est pas si illégal que ça, alors que le jeu est gratuit, tu vois. Si encore le contenu était payant et que vous utilisez un émulateur, bon, là ça se fait pas, tu vois. Mais là, si le jeu est gratuit, que votre téléphone il marche pas, bah moi c'est pour ça que je suis en émulation, tu vois ce que je veux dire. Là je suis en train d'être concentré parce qu'il m'a quand même pratiquement mis midlife, mais on peut se permettre de prendre Tata Aura justement pour augmenter un petit peu de points de vie. Quoique Tata Aura, j'ai pas compris ce qu'elle a voulu faire en fait, enfin, elle m'a pas rejeune, j'ai l'impression. J'ai pas fait attention, faudra que je regarde le montage et j'en reparlerai après peut-être dans le montage en question. J'en ai fait combien là? 27 000? Waouh, 31 000! Oh, si Galopin on l'a obtenu! Yes! Si Galopin va être intéressant s'il a la même âme ultime justement quand il évolue en Sigailleur au niveau 20, parce qu'en fait il augmente la vitesse de vos yokai. Mais bon, si c'est pas ça dans Yokai Watch World, ils ont peut-être mis un autre truc. En plus on a gagné encore un esprit supplémentaire, donc comme ça je pourrais peut-être faire encore une autre vidéo justement sur Yokai Watch Wiggle, et ça va être sympa. Ok, j'ai obtenu Sigalopin, donc ça va m'augmenter mon médaillon. Voilà, ça m'ouvre des portes, donc il m'en manque plus que 3. Et j'aurai Shogunien légendaire, on a vu niveau 70, ça serait le dernier, tout ça. Et après, faut les recruter, les yokai. Hein. Mais vu qu'on a Pitou, on augmente nos liens d'amitié pour recruter d'autres yokai. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas, on a combien... On est déjà 24 minutes! Ah ouais, ça passe trop vite. On est d'accord, ça passe trop vite quand on s'amuse. Mais écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, je pourrai tourner un autre épisode sur Yokai Watch Wiggle Wobble en espérant que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes si vous voulez que la série continue. N'hésitez pas à commenter, partager, surtout me donner votre code ami. Parce que je vous ai donné mon code ami. Je vous le remets là pour ceux qui ont suivi toute la vidéo en question. Faut juste que je retrouve le truc. Je crois que c'est dans profil. Et dans profil, et voilà, tu mets ce code ami là, et toi tu me mets tes codes amis dans les commentaires, et moi je les rajouterai. On peut avoir que 10 personnes pour le moment, mais on pourra l'augmenter futurement, je pense qu'en continuant la suite, on pourra gagner peut-être des missions. D'ailleurs, on n'a pas encore obtenu les missions, les quêtes annexes et tout ça, je ne sais pas s'il y en a, mais on m'a spoilé, voilà, bon, je vous spoil, il y en a bien, donc ça, ça va être génial pour faire des missions, augmenter vos yokai beaucoup plus facilement, avoir des pièces de yokai, tout ça, donc voilà. En tout cas, merci à tous, et on se retrouve pour de prochaines vidéos, prochain live sur Yokai Watch Wiggle Wobble et d'autres séries. Salut tout le monde!